Vous avez lu dans le titre, les gars, je vais vendre les parts de Bijou, ok? Il est en train de se brosser les dents. Il faut que je me dépêche de prendre une photo, je vais mettre en ligne. Ensuite de ça, je vais descendre. Et puis, au fait, on va lui faire croire que j'ai même déjà vendu ces paires-là. What are you doing? Qu'est-ce que tu cries? Bijou de retour! Bijou! Attends une seconde, attends, je reviens, ok? Attends! Une seconde, j'arrive! J'aurais aimé avoir pris les photos devant vous, mais ils venaient vite. Donc il fallait que je me dépêche là, il fallait que je speed up le process. Donc les gars, je vais tout de suite mettre en ligne ces paires. Regardez ça, Jordan 1 low, en bon état. Il les a pas trop salis. 150$, on pose ça. Parfait. Dans quelques instants, ça va publier. Là, c'est en train d'être en train de vérifier par Facebook. Là. Ensuite, là, ça va être publié. Les gars, ça a pris seulement quelques secondes. C'est bon, ça active déjà. Et aussi, la raison pour laquelle je vais lui faire croire que j'ai vendu cette paire, c'est parce que, les gars, Bijou, il est revenu des États-Unis, bien sûr. J'ai pas pu filmer quand je suis allé le chercher parce que je suis allé le chercher hier à minuit. Donc, là, il faisait trop nuit pour filmer. On était pété là, frère. J'étais fatigué et tout. Donc, aujourd'hui, on est le lendemain et puis je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Et de hier jusqu'à aujourd'hui, je demande à Bijou comment ça s'est passé les États-Unis. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Les matchs étaient comment? Vous avez joué combien de fois? Vous avez gagné des matchs? Ou quoi? Il me dit rien. Il me répond pas. Il veut pas me dire ce qui s'est passé. Il est comme ah, je te dis pas. Ah, je te dis pas. Je sais pas. C'est un secret. Je sais pas. Il me dit rien. Donc là, j'ai le seum. Il est venu hier. Il a dormi. Il s'est réveillé. Il s'est lavé. Il s'est brossé et tout. Et puis il a pas pris le temps de vérifier ses paires. Si ses paires sont là ou pas. Tu vois. Donc j'espère qu'il a pas le temps de vérifier actuellement ses paires là. Il va juste descendre maintenant. Rentrer dans la voiture et je vais lui dire que pendant son voyage, j'ai vendu ses paires. Tu vois, pour le faire chier là. Donc là, c'est ça les gars. Donc on y va. Bijou, allô? Descends, non? Ouais, j'attends. Ok, bye. Ferme bien la porte, hein. Ok, bye. Les gars, il arrive maintenant. Tout d'abord, je veux que tu me racontes, ok, pas tout en détail, mais ce que tu veux qu'on sache des États-Unis. Au moins un peu, des petits détails. La nourriture est en très grosse quantité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plus d'obèses là-bas. Ouais. T'as plus d'obèses aux États-Unis. Par exemple, la boisson. J'ai pris une boisson au Popeyes. La boisson était comme ça, bro. Comme ça. Et gros. Dans un fast food? Gros comme ça. Comme trois fois plus grand que ici? Ouais. J'ai pris un trio avec un mac and cheese, un biscuit, des frites, du poulet. Ça m'a revenu à genre $15. C'est pas cher. Aussi. Et puis les gens sont comment? Les gens sont comment? J'ai pas vraiment parlé à beaucoup de gens, mais il y en a qui sont sympathiques. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis par rapport au match, c'était cool à regarder, à faire? J'ai pas envie de parler de ça. Ok. Depuis hier, ça avait un peu la rage, non? Mmh. Parce que tu voulais rien me dire des États-Unis. Tu voulais pas me dire ce qui est passé. Tu voulais pas me dire comment ça s'est déroulé pour toi. Comment t'as aimé ton expérience. Tu voulais rien me dire, non? Ouais. Et puis hier, quand on était au téléphone, je voulais te dire ça, mais je te l'ai pas dit. Go. J'ai vendu tes. Non. Tu as monté? Attends, non. Ma fille a pas mis juste dans ma chambre. Je les ai vendus plus cher. On fait des profits tous c'est les deux. C'est mon cadeau. Où sont mes choses? Je les ai vendus. Fatigué, je les ai vendus. J'ai vendu tes choses. Je sais qu'ils étaient pas. T'es pas homme. Ok, je suis pas homme. Okay, je suis pas homme. Alors, tu vas rien dire, hein. Si tu les vois pas à la maison, tu vas rien dire. En tout cas, si je les vois ne pas. Ne crash out pas, Bijou. Ne crash out non, pas. Non, je veux même pas crash out. Je veux juste te voler de l'argent. Je vais lâcher une autre paire, c'est tout. Bijou, j'ai vendu tes paires. Il n'y a pas de. Tu vas une autre paire. J'ai vendu tes paires. C'est correct. C'est correct? On est qui? Ouais, je les ai vendus à $180. Bon. En plus, c'était une madame, une vieille madame qui est venue les acheter. J'espère que tu blagues. On a si fait... je ne les vois pas dans ma chambre, en tout cas, je te vole $180. Regardez-moi ce crash out, bro. Si je ne vois pas dans ma chambre, je vais te voler $180. 180. Pile, poil et poil. Tu ne vas pas trouver $180 en cash chez moi, bro. Moi, je n'ai pas $180 en cash, bro. J'ai oublié mon lipstick, bro. En haut? Tu vas remonter? Oh, remonter, je vais vérifier. On peut remonter ensemble si tu veux. Vas-y. Les gars, je vais me dépêcher de monter pour aller cacher la paire. Il ne va pas les voir. Je vais les cacher. Ok, on y va. On peut repartir maintenant. Mais je vais aller prendre mon lipstick. Je la mets pour toi, il est où? Ah, bah, je l'ai toute là. Il est où ton lipstick là? Mon lipstick est dans. Lâche-moi. Ok, vas-y. Qu'est-ce que t'as ramassé à terre? Je sais pas. J'ai l'impression que t'as pris mon billet. Oh, j'ai un billet qui est tombé de ta poche, bro. J'ai un billet qui est tombé de ma poche. D'abord. Ok, c'est bon. Si, j'ai pas mes choses. Tu as regardé? Ouais. Attends, comment il est tombé, bro? T'es fort.
Bon, c'était Jordan, ça, hein? Cheese! Cheese! Pourquoi tu les portes jamais? C'est pas comme moi, tu les portes jamais, pour de vrai! Yo, là, où sont mes choses, bro? Quoi? Où sont mes choses? T'es quoi? Où sont mes choses? Je sais pas, moi. C'est correct. Tu les as vraiment vendues, non? Je les ai vendus, donne-moi, je vais de là maintenant, c'est tombé de ma poche. Ça. Regardez ça, les gars, c'est tombé de ma poche. Je vais les relire en même temps. Donne, bijou, saisis, donne. Yo, quitte-la. Donne, s'il te plaît. Vu, quand j'aurai 50 $, on aura la paix. Là, je vais juste te voler de l'argent quick. Tu peux me donner l'argent, s'il te plaît. Non, attends, donne. Attends. Yo, lâche-moi, bro. Tu l'as arraché de ma poche ou il est tombé? Je sais pas. Ok, viens. Non, faut me laisser. Yo, lâche-moi. Tu veux combien? Viens. Assieds-toi d'abord, assieds-toi. 180 $. Assieds-toi, combien? 180. 180 $. Les abonnés sont 180, non? Oui. Exactement, 180. Je vais pas donner 180, je vais donner peut-être 20 $, 30 $. Quoi? Il était funny à soi, bro. Tu ne les portes même pas, bro. Comme des Black Air Force, bro. Tout ce que tu penses, c'est des Crocs. C'est des Crocs, bro. Je peux t'arracher des Crocs si tu veux. Je les porte. Tu les portes? Ouais. Non, pas autant. T'es allé aux États-Unis sans. Yo, quitte-la. S'il te plaît, bijou. Non, écoute-moi. J'ai pas envie de te battre, là. J'ai pas envie de me battre avec toi, bijou. Donne-moi mon argent, s'il te plaît, et on sort. J'ai vendu ses paires et puis là, il commence à faire le rager là. Je change pas, oh. Ok, donne-le-moi, bijou. Je donne 180 $. Je dis live. On va sortir dehors, je vais donner 180 $. 180. Ouais. Donne-le-moi et on sort dehors. On se retourne dans la voiture, sinon on va rester ici toute la journée. Je sais. 180. Ouais, dehors. Vas-y, je te retrouve dehors, on y va. 180 $. Je vais te donner 180. Dollars. Ouais. Dollars. Ouais. Les gars, je dis, je vais lui donner de l'argent, non? Je vais lui donner du faux argent. Du faux argent. Oh, c'est là, regardez ça, les gars. C'est du faux argent américain. Je l'ai acheté. Les gars, je l'ai acheté sur Amazon pour genre 4 balles. 4-5 balles, tu vois. Donc, ça n'a pas coûté cher. C'est du faux argent américain. Donc, là, c'est ça que je vais donner à Bijou. On va voir sa réaction. Je lui dis que je lui donne de l'argent non, pour avoir vendu ses paires. Et puis, les gars, j'ai eu le temps de venir prendre ses paires et de les cacher. Je les ai cachés dans un placard. Donc, là, si j'avais perdu un peu plus de temps, les gars, ils seraient rentrés, ils m'auraient suivi, ils auraient vu ces paires-là. On y va. Ça vient du faux argent à Bijou. Et puis, c'est ça. Tu peux fermer tes yeux, s'il te plaît, d'abord. Tourne de l'autre côté. Regarde de l'autre côté. Comme ça. Bijou, attends, bijou. On va rester ici toute la journée, les gars. Je vois rien. Tu vois rien? Oui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je sais savoir? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais pas. Ok, ferme. Bijou. Je vois rien. Juste ferme. C'est pas grave. Mets tes mains. Mets-toi en position. Mets tes mains, s'il te plaît. Non. Ta pomme, au fait. Tout ta main, bijou. Pourquoi tu joues comme ça? Tu vois? Non. Ok. Dans 3 secondes, j'ouvre mes yeux. 3, 2. Mets tes mains en haut. Plus haut. Là. Ok. Et puis, bah, bijou, je vais te donner 500 balles. Ok. Ouvre tes yeux. C'est à toi, bon. C'est à toi, bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me passer mes 80 balles. Je te dis, je vais me passer mes 80 balles. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'argent! Tu vas passer mes 80 balles. Yo, mes 180 balles. On y va. Elle essaie vraiment de me fouquer. J'essaie de quoi? Te fouquer? J'essaie de te fouquer? Copy money. Ok, non. Non, je te dis. Si dans les 24 heures à venir, je n'ai pas mes 180 balles et ton argent ne disparaît pas, c'est que c'est bizarre.